On vous a déjà dit, ce n'est pas l'affaire d'un parti politique, ce n'est pas l'affaire d'une communauté, ça c'est l'affaire de la Guinée. On a toujours accusé la France. Vous savez, le CNRD, ils ont fait exprès, ils ont misé tout pour délocaliser le lieu de rencontre qui n'était pas loin de l'ambassade. C'est fait exprès. Mais cela ne va pas empêcher les Guinéens de se mobiliser pour aller dénoncer la dictature. C'est le pays qui est à genoux aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que non, tu as du RPG arc-en-ciel et on fait face à tel. Non, c'est tout le peuple de Guinée aujourd'hui. Le RPG arc-en-ciel, l'UFDG ANAD, le FNDC, la société civile, c'est tous les Guinéens aujourd'hui. UFR, tout le monde, même les Kouyatés qui étaient avec eux. Donc la mobilisation, tous les Guinéens, ceux de Belgique, tous ceux qui peuvent venir, venez massivement. Il faut qu'on monte aussi, parce qu'on dit toujours, c'est la France qui est derrière. Aujourd'hui, les manifestations, ils les ont interdites en Guinée. Elles sont interdites, la manifestation. Donc, si nous ne nous levons pas maintenant pour montrer aux Français que ça ne va pas chez nous, comment voulez-vous que les Occidentaux nous aident? Comment voulez-vous que la France aussi dénonce? Donc, il faut que les gens se mobilisent massivement. Demain, le lieu, la place de Clichy, au 17e arrondissement de Paris, de 12h jusqu'à 15h. Vous voyez que vous avez suffisamment le temps. Ils ont bien fait de dire à 12h. Ce n'est pas comme ici à New York, où nous, on devait être à New York à 8h du matin. On devait quitter. Moi, j'avais pris ma voiture à 6h pour aller à New York. J'étais déjà à New York à 8h lors de la venue du bandit Mamadou Doumbouya ici. Donc, la mobilisation, les Guinéens, c'est demain, 17e arrondissement, place de Clichy, de 12h jusqu'à 15h. Vous avez le temps. De 12h jusqu'à 15h, ça fait plus de 3h. 3h. Donc, et en plus, demain, c'est le week-end. Demain, c'est le week-end. Ce n'est pas un jour où vous allez dire, ah non, 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 vous le faites. Vous nous suivez chaque jour. Vous aussi, vous devez participer. Ça, là, on ne va pas vous dire, non, vous allez bloquer quelque chose. Non. Mobilisation. La Guinée-Cap Birinwa partage groupe Birinkoui. Wa Falamiré Bé Eramini. La Guinée-Fenara. Foule Feramara. Sose Feramara. Gerze Feramara. Manka Feramara. La Guinée-Ra Aveni. La Guinée-La Avenile. Naldise Bola Allié Bo. Dita aura droit à Nanaki. Vous êtes dans un pays démocratique. Donc, sortez tous. Biringamini. Voilà. Biringamini. Attendez, il y a un maudit là. Ne le répondez pas. Ne le répondez pas. C'est un bâtard du CNRD. Ne le répondez pas. Je vais lui bannir. On va continuer le live. Voilà. Donc, sortez tous. Biringamini. On a massé dit bandit. Pression folomane. Déjà, je vous ai dit, la pression, c'est depuis l'international. La pression qui est sur eux aujourd'hui. L'affaire de Fonike Mangé et autres, la pression est montée. Je vous avais dit, Fonike venait de quitter ici. Il venait juste de quitter ici. Aux Nations Unies, il avait fait des tournées du côté de l'Europe. Voilà. Attendez, il y a un autre maudit là, je vais bannir ce maudit là. Parce que c'est des gens qui ne peuvent même pas prendre leur nom de famille. Voilà. Ce dernier aussi est maudit. L'essentiel, c'est de partager dans tous les groupes. Et Bayebo, Flakote, Mankakote, Sosokote, la Guinée est tannée en otage, Bandi Luburo. Albrana, Kanna Djamana Kuna Tien, Mbra ou le fond, moi lui yenne, moi lui yen Kirisro. Moi, ni de Sebola, Yebo.
Yeah. Attendez, il y a un maudit ici là. On va lui aussi le bannir. Voilà. Attendez, le maudit. On va... Oh, j'ai suspendu quelqu'un. Je n'étais pas bloqué par accident. Donc, ne vous en faites pas. L'autre aussi, je viens de le suspendre. Donc, la mobilisation, c'est demain. Place de Clichy, 17e arrondissement, de 15h. De midi jusqu'à 15h, 3h du temps. Et Ousmane Gawal, ils sont du côté de Paris, vous savez, les JO. Et d'ailleurs, lui, on le recherche là-bas. Quand les Guinéens vont lui prendre là-bas, ils vont bien lui chicoter. Et Khoré Gari Mané, Ousmane Gawal, les fanfarons de Conakry, là. Donc, c'est lui qui a été, voilà, se plaindre, faire certaines choses. Et enfin, ils ont changé l'endroit. Mais malgré tout, les jeunes sont engagés. Voilà. Non, Djabi, vous pouvez aller à 11h, mais l'heure qu'ils ont donnée de midi jusqu'à 15h. Et d'ailleurs, c'est le week-end. Je vous ai dit, c'est le bon moment que nous, les Guinéens, nous devons nous donner les mains. Nous devons tout faire pour faire partie de ces gens-là. Tout le monde, donnons-nous la main pour faire partie de ces bandits, ces gangsters. Emunomato, Emunomatina. Emunomato, Emunomatina. Birenga mini. Birenga belaga soaburei. Mugadji erasiga. Kadje musiga lagina musiga ma dead. Di bandi, di gangster. No minere simandu. Ibun sila. Wafala birimbe birenga mini di événement la Guinée birenga mini. Je vous dis, cette mobilisation, c'est du jamais vu. Avant, c'était les partis politiques, c'était des mobilisations de RPG, les mobilisations de UFDG, des mobilisations de FNDC, mais cette fois-ci, c'est toute la Guinée qui est demandée. Faut birenga mini. Le pays est pris en otage. Birenga nanan comprend. Hier, nous étions des adversaires. Mais nous avons des ennemis aujourd'hui qui dirigent la Guinée. Des incompétents bandits, Mikifaraï. Vous avez vu le général Sadiba. Les Fonike Mangue qu'on a kidnappés aujourd'hui. Les Biloba. Et on a des artistes aussi escrocs. Il y a des gens, vous avez vu, Takana, des bons à rien là. Pendant que la jeunesse demande le changement. Pendant que la jeunesse de Guinée demande le changement, des fanfarons comme les Takana sont là à soutenir ces bandits au pouvoir. Et d'ailleurs, même chanter pour eux. La Guinée que Toro Temnere. Na Takana et Sigisama na Temne. Parce que moi, et milliards et Tongoma, et Cobre Tongoma, et dollars et Tongoma, et so et Tanira, et Tanga jeunesse Madaro, comme m'a dit, allo na Harangene, Harantare. Na drogue Mati, Mamadi. Parce que, attends, Takana, Mamadi partait prendre de la drogue chez lui là-bas. C'est pourquoi, quand je vois des artistes aujourd'hui, au temps du président Fakonde, ils étaient là à gueuler. Pourtant, l'internet n'était pas coupé. Ils étaient là à gueuler. Pourtant, les médias n'étaient pas coupés. Où sont ces artistes engagés? Mara Falabel, la Guinée-Ka, Flankafo Nangbo, la Guinée-Jeunesse Yama. Escroué Nangbo, la Guinée-Jeunesse Yama. Donc, Birenga Mini, chacun peut faire. Allo Moutan vidéo là-bas, ma canaré. N'est-ce pas en Europe? Qu'on a créé Rama, Rama, Valama, Isigama, Ira, Gaz, Boula, Oma, ou bien, tant, tant, tant. Week-end, ça, c'est genre comme une retrouvaille pour vous entre les Guinéens. Donc, l'événement là, retrouvaille Nara, au cigare. Birenga Mini, n'est-ce pas Noma, Ira Mini. Donc, on vous demande tous de sortir demain du côté de Paris, place de Clichy, 17e arrondissement, midi jusqu'à 15h. Si vous voulez, vous pouvez partir à 10h, à 11h, vous partez. Oradose Naouira, Osiga, Weekend Nara, il fait beau actuellement. Vous partez parce qu'on a vu des soi-disant co-artistes, des escrocs. Qui font la promotion de branding est en cobre nana fema. Ce que ces gens-là aiment, c'est l'argent qu'ils aiment. C'est pas le pays.
et il était un colon. Et mon bon gars, intéressant, bira colon, maman dit, était un bandit, haran terrenara, amoussé ce colon, maman dit, Doumbouya. Un des vauriens comme ça, là, on va faire la promotion des vauriens à la tête du pays. Donc, la Guinée-Ka, biri, moubara, omadia, omini. Non, Bouba Junior, quel combat, qui a enlevé le président Alpha Condé? Hein? Le président du parti du RPG, président, celui qui dirigeait la Guinée. Hein? Donc, c'est pas l'affaire d'une communauté, parce que c'est ce qu'ils ont voulu coller à tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est l'Oudalé. Et pourtant, nous sommes des alphaïstes. Ce n'est pas l'affaire d'Alpha Condé. Ce n'est pas l'affaire de Seloudale. Ce n'est pas l'affaire de Sidia. Ce n'est pas l'affaire de communauté. S'il n'y a pas de courant aujourd'hui en Guinée, c'est tous les Guinéens qui souffrent. La vie chère aujourd'hui, c'est tous les Guinéens. Karbura Mouna, c'est tous les Guinéens. Mais là, Maganana comprend. Mais vous savez, les faibles d'esprit, ceux qui n'ont pas d'argument, ils utilisent la communauté. Moutamouna Nayama, la Guinée-Ka, si ce n'est pas politique ou quoi, Moumbouri Rafang, c'est fou les Mariema. Foulez Manike Mariema, foulez Gerze Mariema, ainsi de suite. Vous n'allez pas voir une communauté qui ne. Quelqu'un qui dit, voilà, un peuple n'a jamais marié une forestière. Où les Nanaki? Forestier Gerze, Sose Mariema. À exemple, la Guinée, il est biré. À exemple, la Guinée, il est biré. Moi qui vous parle, grand-mère paternelle, elle est forestière, elle vient de Ziama. Voilà. Donc, la maman de mon père, elle vient de Ziama. La Guinée est mixte. La Guinée est mixte. Iti, imouti, na réalité nana. Mais ceux qui ne pensent pas ainsi, c'est un petit clan. Donc, Birengamini Jifeta, voilà, pour que les Européens et Rakolon, la Guinée Ké et Tororeto, si vous sortez pour les Guinéens de la Guinée. Donc, merci à tout le monde.